Développé par le studio Incal Product et édité par Ubisoft en 1989 sur Amiga et Atari ST, Sir Fred est un jeu d'action à l'ambiance médiévale fantastique. Classique à première vue, celui-ci a su néanmoins se démarquer grâce à quelques bonnes idées et beaucoup d'humour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de préciser qu'un autre jeu nommé Sir Fred est paru en 1986 sur Amstrad CPC, MSX et ZX Spectrum sous le label Made in Spain, mais que ce dernier n'a aucun rapport avec le titre d'Ubisoft. Chevalier au courage sans limite et à la force herculéenne, Sir Fred vit une existence des plus héroïques. Non seulement ce vaillant guerrier excelle sur les champs de bataille, il peut également se vanter de vivre une idylle avec une princesse dont la beauté est vantée aux quatre coins du monde. Si une telle réussite force l'admiration, elle suscite aussi beaucoup de jalousie. Le nain Ultimor fait partie de ses envieux, et afin de mettre un terme à cette belle histoire, celui-ci lance un sort sur le héros du royaume. Sir Fred se transforme alors en demi-portion à l'allure ridicule. Une apparence qui fait fuir sa bien-aimée, partie trouver refuge dans les bras d'un autre chevalier. Humilié et devenu la risée du pays, Sir Fred compte bien retrouver Ultimor pour lui faire mordre la poussière et conjurer le sort. Mais avant d'y parvenir, il va falloir traverser trois mondes principaux. Une forêt, le village des nains et un sombre château. Chacun de ces mondes est subdivisé en plusieurs niveaux. Armé d'une épée pour le combat rapproché et de couteaux pour les attaques à distance, Fred doit terrasser des hordes de nains tous plus hargneux et malicieux les uns que les autres. Faisant usage d'armes blanches ou de magie, ses adversaires bedonnants se montrent sans pitié, et ce dès le premier monde. D'autres assaillants sont bien sûr de la partie, comme des serpents, des corbeaux, des fantômes, des araignées ou encore des guêpes. Les dangers ne manquent pas, et comme dans tout jeu vidéo de cette époque, le challenge s'avère assez corsé. A plus forte raison que le nouveau physique de Fred ne lui octroie pas une force extraordinaire et que les couteaux sont en nombre limité. La jauge de vie, représentée sous forme de pomme en bas à droite de l'écran, peut rapidement se vider, et il est impératif de connaître les niveaux par cœur pour progresser dans le jeu. En plus des attaques de base, il est possible d'effectuer des sauts ou des roulades, mais toute collision avec un mur ou un obstacle quelconque est immédiatement sanctionnée par une chute qui immobilise Fred quelques secondes. Il faut donc prendre son temps et ne pas réaliser ses mouvements à tort et à travers. L'une des particularités les plus marquantes de Sir Fred est la possibilité de faire évoluer son personnage sur trois plans différents. Ainsi, en poussant le joystick vers le bas ou vers le haut, Fred passe d'un plan à un autre. Cet aspect du gameplay est au centre du jeu car les ennemis déambulent eux aussi sur ces trois plans. Pour les anéantir ou les éviter, il faut donc constamment jouer avec ce système. S'il n'est pas toujours très simple de s'y retrouver, ce concept est malgré tout très bien exploité tout au long de l'aventure. Le seul bémol concerne la position des nains et autres monstres pas forcément évidente à déterminer dans certaines zones. Si Sir Fred est avant tout un jeu d'action, le titre d'Incal Product demande tout de même aux joueurs de collecter des clés afin de déverrouiller de nouvelles contrées. Indispensables pour progresser, ces clés peuvent se dénicher au sol ou après avoir tué un ennemi précis. Des potions sont également à glaner ici et là. Permettant généralement de regagner de la vie ou d'obtenir une invincibilité temporaire, certaines s'avèrent indispensables pour passer au monde suivant. Loin d'être une claque technique, Sir Fred s'en sort malgré tout avec les honneurs. Avec ses environnements sombres et riches en détails, il possède une patte graphique intéressante. Même les décors plus classiques, comme le château servant de cadre à la dernière partie du périple, restent de grande qualité. Fred et les sbires d'Ultimor sont également animés avec soin, mention spéciale aux nains et à leur mimique désopilante. Quant à la partie sonore, elle ne déçoit pas non plus. Les musiques sont entraînantes et les bruitages très convaincants. Deux défauts majeurs ternissent néanmoins le tableau. Les nombreux ralentissements intervenant dès que l'écran se retrouve un peu trop chargé en sprites, ainsi que le niveau de difficulté mal dosé qui engendre de grosses frustrations de temps à autre. Avec son univers parodique et son challenge corsé, Sir Fred a conservé tout son charme malgré les affres du temps. Son système de déplacement sur trois plans fonctionne encore très bien, et son esthétique a su rester séduisante. Sans atteindre le niveau des plus grands hits sur Amiga et Atari ST, les péripéties de ce pauvre chevalier au physique ingrat demeurent toujours aussi distrayantes. Aucune excuse donc pour ne pas repartir à l'aventure et tenter de botter l'arrière-train de ce satané Ultimor.